Aujourd'hui, je reçois Mathieu Lachapelle qui vient nous parler de comment il réussit à se démarquer avec son magazine Dinette dans une ère où le numérique prend de plus en plus de place. Bienvenue à l'épisode 49 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 49. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Lachapelle. Il viendra nous parler de comment il réussit à se démarquer avec son entreprise, le magazine Dinette. C'est un magazine de cuisine, un magazine papier qui a vu le jour il y a exactement 2 ans. Et ce magazine québécois a remporté, après seulement quelques mois d'existence, le grand prix du magazine canadien 2016, devançant même Ricardo. Et il a été également finaliste au National Magazine Awards. Donc, c'est vraiment un magazine qui sort de l'ordinaire et je pense que les autorités, les regroupements de magazines ont reconnu le talent de ses dirigeants, de ses fondateurs, de même que toute l'originalité qui est mise derrière ce magazine-là. Donc, et là, vous allez voir au cours de l'entrevue, ceux et celles qui écoutent le podcast Accélérateur depuis un certain temps, vous allez remarquer un changement dans le son. C'est simplement parce que j'ai eu la chance de me déplacer pour aller rencontrer Mathieu Lachapelle, qui est le fondateur du magazine, directement à son bureau. Alors, on a fait l'entrevue en personne plutôt que de faire l'entrevue comme je le fais habituellement via les différentes plateformes numériques qui sont disponibles pour faire ce type d'entrevue, donc soit Skype ou Zoom dans mon cas. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu pour faire cette entrevue-là en personne et ce fut un moment vraiment délicieux. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Mathieu Lachapelle de Dinette et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Mathieu Lachapelle. Salut Mathieu, merci de m'accueillir dans les quartiers généraux de Dinette. Merci beaucoup, merci à toi. Je te laisse quelques minutes pour te présenter puis présenter aussi Dinette. Oui, ok, parfait. Je m'appelle Mathieu Lachapelle, je suis éditeur en chef du magazine Dinette. Ça fait 2 ans en novembre, donc ça va faire 2 ans qu'on a lancé ce projet-là. Puis, c'est ça, je suis un passionné de bouffe, mais surtout d'entrepreneuriat. J'ai fait plein de projets depuis que je suis tout jeune. À 16 ans, je me suis parti à un groupe de musique, puis j'ai commencé à faire des tournées à travers le monde. Donc, j'étais allé en Russie bien avant Simple Plan. Puis, je prenais un numéro d'interurbain d'un papa pompier, un de mes amis. Puis, j'appelais de chez ma mère en Russie, puis en Allemagne, puis en Pologne pour pouvoir booker des shows. Que ça me coûte rien puis que j'ai pas un bill d'interurbain à ma mère. Fait qu'elle a jamais vu de frais d'interurbain. Puis je bouquais des tournées comme ça un peu à travers le monde. Puis je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était de l'entrepreneuriat parce que c'était quand même hors champ. Puis tu sais, mes parents essayaient toujours de me ramener sur le droit chemin, si je peux dire. Genre, pourquoi tu fais de la musique? Il y avait combien de personnes à tes shows? Puis tu sais, des fois, tu connais plus d'échecs que de réussites. À 16 ans, quand tu vas jouer en Pologne, c'est rare que tu aies une foule de 1000 personnes qui t'attendent. T'sais. Fait que la réponse, c'est tout le temps, ben, il y avait 50 personnes, puis on a vendu 2 CD. C'est souvent ça la réponse, sauf que tu es quand même en Pologne, tu sais. Ouais. Fait que c'est quand même une réussite. C'est ça la réussite. C'est pas le nombre de personnes qui étaient là puis qui ont assisté au concert, tu sais. Mais ça, j'ai eu toujours un environnement un peu réfractaire à ça, puis c'est normal, tu sais. J'allais à l'école privée, puis tout ça. Fait que tu te dis que ce que tu fais, c'est pas de l'entrepreneuriat. Tu te dis que c'est un passe-temps, un loisir, tu sais, c'est de la musique. Bon, moi, c'est une passion, tu sais. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que
pour avoir plus de visibilité, il fallait que je produise mes CD parce que c'était plus simple, parce que les compagnies de disques ne voulaient pas nécessairement s'investir. Fait que j'ai commencé à produire mes CD, enregistrer ma musique, produire d'autres bandes, imprimer ça en vinyle. Fait qu'on a imprimé en vinyle là, déjà 15 ans, bien avant que la mode des vinyles revienne. T'sais. Pendant que le CD était à son plein ping, nous autres, on imprimait en vinyle, on chipait ça en République tchèque, on imprimait là-bas. Fait que t'sais, ça, c'est vraiment un jeune âge où j'allais encore à l'école. J'avais aucune idée que j'allais faire de l'entrepreneuriat dans ma vie. Puis je développais toutes ces caractéristiques-là d'un entrepreneur sans le savoir. Ça a pris vraiment du temps avant que je me rende compte que c'était l'entrepreneuriat. J'étais à l'école en entrepreneuriat, en administration Cégep du Vieux. Puis même à ce moment-là, je faisais encore de la musique, puis je bookais des tournées pour l'été entre mes sessions, puis je me rendais pas compte que ma job de... Tu sais, on fallait monter des projets là, d'école, puis le monde, on va ouvrir un dépanneur, mais moi j'en avais un projet là, derrière la tête. Là. J'avais une compagnie de disques, j'avais un studio, puis je faisais du booking à travers le monde pour mes bands. Tu sais. Dans le fond, t'appliquais ce que t'apprenais déjà de façon en direct. Je pense que j'appliquais rien de ce que j'apprenais. Ah, genre, non, je pense que je faisais juste à ma manière. Okay. Parce que j'ai toujours eu l'impression que ce que j'apprenais dans mes cours d'administration, ça ne me représentait vraiment pas. C'était pas ma façon de faire les choses. Puis. Ouais, ça représentait peut-être la réalité, mais ça représentait pas celle que j'avais, moi, à ce moment-là, en tout cas. Puis aujourd'hui, puis on va sûrement revenir tout à l'heure, mais Dinet, c'est à peu près la même affaire que mon band de quand j'avais 20 ans. T'sais. J'ai commencé à travailler, puis à faire un peu comme tout le monde, gagner son pain, puis à un moment donné, l'opportunité de faire Dinet est arrivée. On pourra y aller en détail tantôt, comment c'est né. Puis j'ai fait ce projet-là, qui est à peu près comme quand je fais de la musique, qui est issu des tripes, tu sais, puis du cœur. Puis c'est pour ça qu'il y a une belle âme derrière, tu sais. Moi, ouais, c'est à peu près ça. OK. Fait que, ben c'est moi. Ouais, ben c'est ça. Justement, en parlant de Dinette, ça arrive de où, ça, ouais. Dinette? Ben, c'est né comment? Je suis la version courte ou la version longue? Vas-y, on t'écoute. Je pense qu'on va y aller avec la version longue parce que la version longue représente un ingrédient que je trouve très important dans la réussite de projet, puis c'est la chance. Moi, je me dis toujours qu'il y a de la chance. Il y a les trois ingrédients là, que j'ai en tête, c'est qu'il y a la chance, il y a le travail acharné. Il faut quand même être très travaillant pour réussir en business. Puis il y a aussi un manque à combler. Puis on y reviendra un peu pourquoi Dinette a réussi à survivre dans le monde du papier qui est encore plein de déclin. C'est parce qu'il y a un manque à combler, mais on va y revenir. Mais l'aspect de la chance, dans mon cas... je travaillais pour un employeur qui est encore mon employeur actuel. Là. C'est un distributeur alimentaire. On vend de la bouffe à des restaurants, là, des garderies puis des résidences pour personnes âgées. Je suis directeur marketing pour ça depuis une dizaine d'années. Puis, parallèlement à ça, pour faire la promotion d'entreprise au niveau du marketing, comme on vend de la bouffe, on s'est mis à faire de la documentation de bouffe, donc des recettes puis tout ça. Puis, on a fini de fil en aiguille à faire un magazine de recettes qui s'appelle À votre table, qu'on fait depuis genre 9-10 ans. Puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé, un peddler. Il est venu nous voir et il nous a dit « Hey les boys, vous faites de la distribution alimentaire, vous autres? » Je suis Dubé Loisel, là, ma job actuelle, où je suis directeur marketing. « Oui, on fait de la distribution alimentaire. Oh, parfait, moi j'ai un contact à Cuba. » T'sais, il y a un embargo avec les États-Unis, les Québécois aiment bien ça, genre aller à Cuba, puis manger du beurre de peanut, puis pouvoir boire du jus de pomme la sonde, t'sais. Sauf qu'ils peuvent pas dans les tout inclus, parce qu'on livre pas vraiment le Canada genre à Cuba. Fait qu'ils se procurent des produits d'ailleurs dans le monde. Sauf qu'il y a beaucoup de Québécois dans les tout inclus, puis ailleurs aussi à Cuba. Fait qu'ils voyaient une opportunité de livrer des containers de bouffe à Cuba. Ce monsieur-là est venu nous voir, puis on trouvait l'idée vraiment cool, puis on s'est investi un peu là-dedans. Finalement, on ne l'a jamais fait, mais il est reparti avec une copie du fameux magazine que je faisais au niveau du marketing, le magazine À votre table. Il est reparti avec une copie parce que c'est une politesse qu'on fait quand quelqu'un vient chez nous. On lui remet notre magazine corporatif, puis on lui dit que c'est de la bonne lecture pour lui. Fait que, il est revenu un mois plus tard, sans rendez-vous. Les cheveux tout croche, la chemise détachée, le veston taché. Puis il a dit hey, les gars, moi là, je suis un éditeur. Je fais des magazines. Il livre des containers, mais il fait aussi des magazines, ça a l'air. Fait qu'on l'écoute. Il nous apporte ses magazines. Des magazines plus laids les uns que les autres, là, de maillot, puis de la ville de Boucherville. Puis des affaires de même. Mais il fait des magazines pour vrai. Il y a genre 30 magazines que c'est lui qui a produit, puis il a son nom dedans. C'est l'éditeur. Fait qu'il nous convainc de faire un mag à 99 cents qu'on va vendre dans l'IGA
puis qu'on va utiliser toutes les archives qu'on avait de À Votre Table, notre magazine corporatif. Ça ne nous coûtera pas une scène, puis on va vendre ça dans IGA, lui, il a les contacts, il fait déjà. Fait qu'on a été teasé un petit peu par ça, pas par la créativité du projet, mais par la source de revenus que ça pouvait créer, dans le fond. Là. Ouais. Fait qu'on a dit oui, puis on a fait un deal avec. On a fait un deal 50-50, c'est-à-dire nous, on fait la création, comme on était bon là-dedans, ça faisait 10 ans qu'on faisait ce magazine-là à votre table, on fait la création, puis toi, tu fais la vente publicitaire, le PR, tu te charges de la facture d'impression, puis tout ça, puis tu te charges de la distribution. Tu fais la job d'un éditeur, dans le fond, puis nous, on fait la job de créateur. Fait qu'on a monté, là, on est parti chacun de notre côté, on s'est dit qu'il allait travailler comme c'était son travail, puis nous, on a fait notre travail de création, puis on a monté ce qui s'est avéré être le premier numéro de Disney. Quand le premier numéro était prêt, on était présenté, puis il n'a pas catché pantoute. Pas catché parce qu'il s'attendait à ce qu'on prenne des vieilles recettes, puis qu'on fasse un numéro à 99 cents, qu'on allait crisser dans les poubelles une fois qu'on l'a acheté. Puis c'était pas ça du tout. C'était un bookzin avec un beau papier, des articles de 8, 10, 12 pages. Fait qu'il n'a pas catché à game pantoute, puis il n'a pas réussi à rendre justice au projet. Fait qu'on a cassé ce deal-là. Puis on est parti faire notre petit bonheur de chemin, genre tout seul, avec le mag. Mais aussi, c'est là que j'ai dû comme tout accomplir les tâches que l'éditeur fait normalement, ouais, c'est-à-dire la distribution, le print, la vente publicitaire, la relation de presse. Fait que, dans le fond, pourquoi je trouve que c'est important de compter cette version longue-là, c'est que c'est un facteur chance qui est arrivé, c'est qu'un monsieur un peu nowhere, habillé un peu tout croche, qui est arrivé puis qui nous a dit... Check, on pourrait faire du cash avec votre affaire, mais finalement, c'est pas ça qu'on a fait du tout, mais c'est pas grave, c'est le coup de chance, c'est ce personnage-là qui est rentré puis qui nous a dit, tu sais, comme qui a allumé cette flamme-là un peu de le faire un projet. Ouais. Le petit coup de pied que ça prenait pour lancer le projet. Exactement. Puis là, on a créé Disney, puis là, quand on l'a créé, tu sais, j'ai vraiment de la misère à faire des projets comme ultimement pour faire de l'argent. Tu sais, j'ai tout le temps, quand je fais des projets, ils sont vraiment tout le temps issus comme de mon cœur, puis c'est ça qu'on a fait avec Disney, tu sais. C'est quelqu'un qui nous offre l'opportunité de faire un projet. On n'avait aucune contrainte. Le gars, il vend de la pub, il fait du PR, il paye le print. On n'avait aucune contrainte à ce moment-là. Mais tu sais, comme les contraintes se sont toutes ajoutées une fois qu'il n'était plus dans le portrait. Exact. Puis j'ai réalisé que le projet qu'on a fait, c'était un peu une bête parce qu'il n'y avait aucune source de revenus possible dedans parce qu'il coûtait beaucoup trop cher à imprimer. Il n'y a personne qui voulait distribuer ça parce qu'il est tellement épais le magazine, tu sais, qu'il ne rentre même pas dans les racks. Tu sais, ici, j'en ai un rack, là. Il y a deux mags qui rentrent. À l'épicerie. Comment tu fais pour me vendre, mettre des magazines à l'épicerie? Ouais. Tu sais, il y a beaucoup trop de contraintes, mais quand je l'ai écrit, j'avais aucune contrainte. Je l'ai fait comme si j'ai fait comme un mag, j'avais le goût de lire. Voilà. Puis aujourd'hui, on fait des projets pour ce qu'on va aller chercher comme cash. Qu'est-ce qu'on va vendre comme pub? On fait des projets d'annonceurs. Toutes les mags, là, en ce moment, sur le marché, puis on va sûrement pouvoir y revenir. Parce que c'est dans les lacunes un peu. Ils font des mags pour vendre la pub, tu sais. Ouais. Puis comme moi, j'avais aucune contrainte, fait que c'est pas ça que j'ai fait. Exact. Fait que c'est le facteur chance dans l'histoire, fait que c'est comme ça que c'est né, en fait. Ouais. Tu parlais tantôt des contraintes puis tout ça. C'est quoi les défis que tu rencontres, là? Parce que là, oui, l'éditeur est parti. Ouais. On a un paquet de choses qu'on doit faire qu'on n'avait pas planifié de faire au début. Ouais. Là, c'est quoi les contraintes qu'on rencontre? Ben, écoute, au premier numéro, on kick dehors l'éditeur, on se retrouve 100% propriétaire de ce projet-là, puis il faut faire 100% des tâches. Donc, les quatre grosses tâches étaient, bon, principalement le print. Fait que ça, bon, c'est juste payer une facture de print, ça va, ça se fait. La distribution, par chance, il m'avait donné sa référence pour présenter le projet. Fait que j'ai juste rappelé, j'ai apporté mon projet, puis j'ai fait un pitch de vente. Puis il n'y avait aucun mag qui distribuait comme ça, les épais même, là, qui ne rentrent pas dans les racks à distribution, puis tout ça. Mais ils ont trouvé ça intéressant, puis je pense que j'ai fait un bon pitch, fait qu'ils nous ont pris dans leur écurie de distribution. Une chance, parce que c'est messagerie dynamique, puis ils ont le monopole de la distribution dans les bannières, là, comme IGA au Québec. Okay. Fait qu'une chance, tu sais, comme un petit coup de chance ici aussi, parce que si je les avais pas eu, le projet serait pas rendu où il est aujourd'hui. Il serait encore à l'état de projet d'artisan distribué dans des petites boutiques. Mais on l'a distribué dans les IGA, pharmacies. Fait que tout à coup, il y a comme eu une ampleur, tu sais, dès le premier numéro. Fait que ça s'est réglé assez rapidement. Ensuite, il y a eu la vente publicitaire. Puis c'est où je me suis cogné le nez le plus parce que je faisais un projet qui était tellement libre parce que j'avais pas de vente publicitaire à faire. Puis je me suis rendu compte après le premier numéro que Colin va falloir le rendre rentable parce qu'il faut en vendre en maudit des copies pour pouvoir payer le print puis la création derrière, tu sais. Fait que la vente publicitaire, ça reste mon challenge de tous les jours aujourd'hui.
C'est la plus grosse barrière à défoncer en ce moment. Puis on pourra, je sais pas, là, tout notre plan d'entrevue, mais on a trouvé une façon un peu de vendre la publicité qui est différente avec ce projet-là. Mais c'était le plus gros challenge à la journée 1. On s'est dit qu'on allait vendre des pages de brand, le normal, comme il y a dans Ricardo. Puis comme ouais. Mais ça défaisait complètement la grille graphique du projet de Dinette. Puis au premier numéro, même avant, une fois qu'on a splitté le deal, on a commencé à essayer de vendre la publicité. Puis là, on approchait tout le monde. On recevait des visuels publicitaires de brand normal, tu sais. Puis là, on s'est mis à refuser des dollars pour le mag, tu sais, pour sa qualité visuelle. Puis finalement, on refusait des grosses marques. Tu sais, j'ai refusé genre Cascade, admettons, que le visuel convenait pas. Tu sais, des grosses marques comme ça. Je me suis retrouvé à vendre beaucoup moins de publicité que j'aurais dû, mais je me suis retrouvé à avoir une réflexion sur comment je vais faire pour rentrer de l'argent dans ce magazine-là sans mettre une page de brand que quelqu'un m'impose. Puis ça, c'est le plus gros challenge aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à le surpasser. Mais à la journée 1, c'était ça. Puis j'ai un peu frappé un mur à ce moment-là. Mais comment tu as réussi justement à surpasser ça? Parce que là, il faut que tu fasses rentrer des sous pour payer un magazine sans mettre des pages pleines comme il y a dans n'importe quelle revue qui est vendue présentement. Ouais. Comment tu as réussi ton défi? J'ai utilisé une technique un peu que le web utilise, c'est le branded content, l'intégration de contenu, le contenu commandité dans le fond. Fait que j'ai été moi-même chercher des brands avec des concepts publicitaires qui marchaient dans la thématique. Donc nous, c'est nos magazines ont toute une thématique précise derrière. Mettons comme le prochain numéro c'est confetti, donc un numéro un peu anniversaire où on va exploiter. On va exploiter un peu le party. Je vais vous donner un exemple qui se retrouve dans ce numéro-là, confetti, qui est le prochain. On était voir les fromages d'ici, puis on a dit on explore la thématique confetti, qui est une thématique de party un peu. Puis on pourrait faire un dossier avec les fromages d'ici, qui est un brand qu'on a approché, qu'on aime beaucoup, qu'on est capable de travailler. C'est des fromages, donc c'est facile à travailler. Puis on va faire un dossier lendemain de veille, où on va voir genre un appart tout démoli avec des bières qui traînent, du monde couché sur le couch, puis dire que genre un bon genre de grilled cheese déjeuner avec du bacon puis du fromage bien gras, ça te repimpe le moral en lendemain de veille. Fait que tu sais, on a trouvé une façon d'amener une marque, mais de manière assez edgy puis funky dans le magazine pour pas que quand le lecteur passe devant le contenu commandité, fasse comment c'est un peu quétaine, c'est un peu de la merde, c'est commandité. Tu sais, le contenu est tellement tordu qui est intéressant pour le lecteur. Okay. Dans ce cas-ci, tu es dans un numéro confetti qui est supposé être party. C'est un numéro qui va sortir à Noël. Fait que normalement, c'est de la dinde puis du rouge. Puis nous autres, on arrive avec genre un appart tout démoli avec des bières. Puis on match ça avec une marque quand même renommée qui est les fromages d'ici. Fait que c'est tellement edgy que le lecteur n'a pas le choix d'accrocher à ça. T'sais. Puis la marque n'a tellement pas le choix de faire comme « Oh shit, c'est un bon contenu, ça c'est bon. » Ça propulse ta marque dans un autre environnement. Puis, pour Dinette, c'est génial parce que tu ramènes de l'argent dans le magazine, puis c'est du contenu qui est tellement parfait, qui fit bien avec la thématique. Puis le contenu, c'est toujours nous qui le fait. C'est ça, donc c'est plus la marque, le fardeau de te donner le contenu que tu vas aller afficher, mais c'est toi qui crée de A à Z, puis tu dis à la marque en question, ça va te coûter tant pour avoir ce contenu. Exactement. Quand je vais rencontrer un agent, si c'est le premier pitch que je fais, je leur dis, si vous aimez Dinette, là, puis ça vous tente de mettre du cash dans Dinette, ce qui va se passer, c'est que je vais m'approprier votre marque parce que je l'aime, puis je vais faire de quoi d'écœurant dedans. Puis si tu as envie de mettre ton argent, fais-nous confiance, puis on va te faire de quoi qui est à notre image, puis qui va être bénéfique pour le lecteur, puis pour ta marque. Donc à ce moment-là, tu crées un concept publicitaire autour de ça qui fit avec Dinette, et tu lui présentes avant, lui donnes son approbation, puis après ça, c'est dans le prochain numéro. Mais j'appelle même pas ça de la publicité, dans le sens que c'est vraiment contenu, tu sais. Okay. C'est vraiment du contenu qui est en partenariat, tu sais. C'est ça qui arrive. Fait que l'exemple des fromages d'ici, tu sais, c'est pas une publicité. J'ai décidé des fromages que j'allais utiliser, j'ai décidé du concept, j'ai fait le contenu, puis en intro, je dis les fromages d'ici, c'était carrément parce que quand tu t'es pris une bonne cuite la veille, tu manges un gros grilled cheese bien gras, puis t'es repissé le piton le lendemain, tu sais. Fait que c'est vrai ce que je dis, tu sais, comme il y a pas de menterie, c'est pas de la publicité, c'est juste comme je l'aime tellement le produit, puis j'ai quelque chose à raconter avec, fait que paye-moi pour le faire, tu sais. Exact. C'est ça que je vais. Puis tu sais, j'ai cette audace-là quand je vais en faire un pitch, c'est comme. Tu l'aimes, mon mag? Ben moi, je vais te faire de quoi de cool avec ta marque. C'est le principe des influenceurs sur exactement. Le web, dans le fond, mais en format papier. Ça, j'aimerais ça qu'on y revienne tout à l'heure parce que c'est vraiment comme ça que j'ai bâti la marque. J'ai. Tu sais, un magazine là, ou un poste de télé, c'est un média. T'sais.
ça distribue de l'information. Puis nous autres, on l'a comme construit comme un blog. Un blog, c'est juste quelqu'un qui parle de sa vie, puis de ce qu'il aime, puis de ce qui est beau. Fait que c'est comme... Puis c'est là que quand t'aimes le blog devient fluent, parce que tu bois les mots que cette personne le dit. Puis c'est comme ça qu'on a bâti le mag, comme un blog, mais c'est papier. Fait que les gens boivent un peu nos mots, puis nos photos, puis ils boivent nos dires, qu'est-ce qu'on dit. Fait qu'on devient une marque influente. Puis là, c'est là que ça se vaut son pesant d'or. C'est pas juste un visuel brandé dans un média. C'est un contenu qu'on est capable de faire manger, entre guillemets, à nos lecteurs. T'sais. Puis cette personne le fait encore. T'sais. Fait que dirais-tu que ce serait votre stratégie de promotion qui serait la seule stratégie de promotion qui dans le fond, c'est toujours axé vers ça. C'est toujours axé vers ouais. le côté influenceur de. Ouais. Ben. J'ai pas le choix parce que le magazine est. T'sais, il ne vendra jamais autant de copies que Ricardo. Fait que je peux pas aller voir un brand à Toronto et dire j'ai des stats à te donner. J'ai genre je vends 400 000 magazines. T'sais, toi, tu achètes des stats, tu achètes une visibilité des paires de yeux qui voient ta marque. Exact. Ça, je peux pas faire ça. Sauf que je peux dire j'ai moins de paires de yeux qui regardent le mag, mais je vais m'approprier ta marque puis je vais faire de quoi de débile avec que les gens vont. T'sais, à la place de passer la pub, là, tu vas la flipper. Tu vois une page pub dans un mag. Si elle n'est pas super belle, tu vas la flipper. Sauf que là, tu as 8 pages avec les fromages d'ici. Normalement, si c'est Dinette qui a fait le contenu puis que c'est à son image, tu vas le lire puis tu vas toi aussi t'approprier ce que Dinette dit. Puis c'est là le pouvoir d'influence du magazine puis de la stratégie qu'on a pris. Fait que je dirais que ouais, c'est la stratégie principale que j'ai utilisée quand je vais faire des pitchs en agence pour les marques. Fait que l'aspect principal, c'est choisir la marque, trouver un concept qui va coller avec notre thème du magazine qu'on est en train de créer. Mm-hmm. Puis c'est ça. Comment tu te fais recevoir par les agences ou les directeurs marketing qui doivent un peu lâcher prise là, ouais. parce que ouais. part, leur côté créatif ouais. disparaît un peu dans la patente. Comment tu te fais recevoir? Je pense qu'il y a comme une crédibilité qu'on a réussi à bâtir avec Dinette. C'est ce côté-là edgy de faire un mag aujourd'hui, tu sais. En 2016-2017, c'est tellement niaiseux que quand tu arrives avec ce projet, c'est tellement niaiseux, mais c'est tellement hot là, que quand tu arrives à un projet comme ça avec une agence, c'est vraiment audacieux. Fait que, j'ai toujours une crédibilité un peu quand je vais voir une agence parce que le projet, à mon avis, puis probablement à leur avis aussi, il est bien fait le projet. T'sais. Fait que, à la limite, il est aussi bien fait que ce qu'eux font. T'sais. On est comme une petite agence. T'sais. Ce qu'on fait, c'est aussi beau que ce que l'agence ferait. Fait que, je sais pas, j'ai jamais eu de problème moi, à cette lâcher prise-là. Il y a comme une confiance. Oui, il y a une confiance. Puis je leur donne tout le temps une run, j'appelle ça une run d'approbation, là, mais c'est ils ont un droit de regard sur le visuel que j'ai créé pour eux. Fait que, je fais tout le je les inclus pas dans le processus de la création du dossier là, ou de la pub. Mais j'envoie à la fin un genre de t'sais, genre pour votre info, voici le dossier. Okay. C'est vraiment rare qu'on fait des modifications, mais t'sais, s'il y en avait, on les ferait. Okay. Puis t'sais, s'il y avait une modification majeure qui nous ferait dire des mots qu'on ne croit pas, je pense qu'on fêterait pour que. Je serais à l'aise de dire, regarde, c'est pas mes mots, je suis pas à l'aise avec ça. T'sais, si tu me fais dire que ton produit c'est le meilleur, je serais peut-être pas à l'aise. Tiens, mettons que je crois vraiment que c'est le meilleur, ça me dérange pas, mais ouais. si je trouve que c'est pas le meilleur, puis je suis content d'avoir ton argent dans le mag, je voudrais pas utiliser le terme ce sont les meilleurs produits. Mm-hmm. Fait que je me garde ce petit latitude-là un peu. Là, le gâteau, il est prêt. On a déjà la première chandelle allumée. On est sur le bord d'allumer la deuxième ouais. chandelle pour fêter le deuxième anniversaire. Ouais. On s'en va où avec ça, là? Et c'est quoi le futur de Dinette dans les prochains mois? Ben, là, j'agrandisse un peu mes sphères d'entrée d'argent. Ça, c'est la chose la plus importante parce que j'ai frappé ce mur-là de rentrer de l'argent dans le papier. J'ai réussi. Mais ça reste que c'est des pitchs à chaque numéro. T'sais, comme je veux tellement que la pub soit collée sur mes thèmes de magazine que c'est super challengeant. Puis c'est un peu toujours dernière minute. T'sais, on a changé les thèmes pratiquement à chacun des numéros. On avait un thème en tête, puis finalement, on l'a. T'sais, comme le dernier numéro, c'était couleur, le thème. Il est quelque part ici. Ça, les bananes. C'était couleur. Oui. Le nom, c'était couleur. Puis, tu sais, genre, une semaine avant, on a mis le mot pigment. Mais ça a un tout autre sens, tu sais. C'est-à-dire que ton
ton mot d'éditeur en chef, il est différent. Il y a des articles, on a fait un article sur le Maroc avec la notion du pigment, tu sais. Au Maroc, ils vont aller teindre les tissus avec des vrais pigments, là, tu sais. Fait que, on a comme changé le contenu du magazine juste à cause du titre. Fait que, ce qui veut dire que je suis tout le temps en pitch de vente parce que les thèmes changent tout le temps, tu sais. Fait que, tout ça pour dire que pour faire des rentrées de sous autrement, varier mes rentrées de sous, c'est ma mission. Fait que là, j'utilise, on a bâti la plateforme Instagram, qui est assez puissante. Fait que je commence à faire un peu le même principe, du contenu commandité sur Instagram. Ça marche drôlement bien. On est à peut-être 25% de nos revenus avec ça. Puis en vidéo aussi. Donc, on a fait beaucoup de maquettes vidéo pour ramener des marques avec nous. Des vidéos qu'on appelle le Team Dinette. Donc, c'est des activités que l'équipe de Dinette fait dans des environnements un peu funky. Je vais te donner l'exemple du dernier qu'on a fait. On est allé au Vélodrome à Bromont, puis on a apporté un barbecue, on a fait un gros VG chili VG, puis on a fait du vélo dans le Vélodrome, puis on a apporté des marques là-dedans, on a apporté une bière, le Fernam qui est là, qui est visuellement intégré aux vidéos, puis ça se monnaie super bien, ça, là. Ça, on a beaucoup de reach, les vidéos ça se partage bien sur Facebook et compagnie. Fait que ça, les vidéos, c'est une source de revenus potentiel à développer. Puis Instagram, assurément, et notre plateforme de contenu web, dans le fond. C'est la continuité du magazine, c'est du contenu que je mets pas dans le mag, que je mets sur le web. C'est tout du contenu qui est commanditable aussi, qui est en contenu intégré. Là, tu sais, quelqu'un, une ouverture de restaurant, on y va, on fait un genre de storytelling d'expérience, puis on met des photos, on met un texte qui est maudit un peu, puis c'est monnayable, ça. Tu sais. Moi, je pense que tant que c'est fait en transparence, puis que c'est écrit, en partenariat avec tel restaurant ou présenté par. Je pense que tant que le lecteur ne se sent pas berné, puis que c'est bien fait, puis qu'on ne se ment pas à nous-mêmes. Ouais. Si le restaurant, c'est de la merde, on va soit pas accepter l'argent, soit pas publier l'article. C'est une question d'intégrité. C'est ça. T'sais. Fait que jamais je recevrai de l'argent pour un produit que je déteste, mais si le produit, je l'aime, puis quelqu'un veut me payer pour en parler, ben, je pense que si le lecteur est au courant que j'ai été payé, c'est assez legit. Là. Oh, ouais. Fait que ouais, les prochains steps, c'est ça, c'est de continuer. T'sais, je me suis vraiment concentré sur le mag pendant les deux premières années, puis là, ben, l'Instagram a pris... notre Instagram est vraiment plus important que le mag en ce moment, dans le sens qu'il génère pas autant d'argent, parce que c'est une plateforme qui génère moins d'argent, mais on a beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus d'interactions. Il n'y a pas de coût non plus. Il n'y a pas de coût, c'est juste du temps. C'est time consuming. Mais nous, on n'a jamais mis $1 en publicité. C'est que de la promotion Instagram que j'ai fait. Okay. Je pense que si la notoriété de Dinette, on l'a aujourd'hui, c'est entre autres parce que c'est un beau projet qui est bien fait, mais parce qu'il y a une promotion vraiment agressive qui a été faite via la plateforme Instagram. Dirais-tu que c'est parce que quand je reçois quelqu'un sur l'accélérateur, je demande toujours une astuce pour le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de lancer un produit qui est physique, mais à l'ère numérique. Fait que dans le fond, dirais-tu que l'espèce de stratégie que tu as avec Instagram et tout ça, ce serait ta stratégie numéro un, ça, ou as-tu un autre truc que tu aimerais partager avec les gens? Moi, je fais des projets marketing là, pour d'autres brands des fois, puis moi, ce que je leur dis, c'est si votre carte d'affaires, c'est quoi aujourd'hui? C'est-tu ta carte papier que tu donnes à quelqu'un quand tu le rencontres? La plupart du temps, la réponse va être non, j'en ai une, mais c'est pas ça que je me fais valoir avec. C'est-tu ton site web, ta carte d'affaires? La plupart du temps, la réponse est souvent non, parce que ton site web il est très corporatif. Il donne des informations, des prix, ce que tu fais, mais il n'est pas très maudit, il est à ton image, mais il ne raconte pas grand-chose. Normalement, tu as quelque chose à vendre, tu as du contenu à offrir, mais c'est pas là que tu vas créer ton image de marque tant que ça. Donc, la plateforme d'Instagram est devenue ta carte d'affaires. T'sais. En 9 photos, tu as la vision de l'entreprise. T'sais. Puis c'est ce que je vends quand je fais des pitchs de contenu de création, parce que j'en fais aussi à l'extérieur de Dinette. Parce que ça me passionne, puis parce que ça me permet de me développer aussi. Puis tu sais, si tes 9 premières photos de ton feed Instagram ne sont pas à l'image de toi, fais-en pas de feed Instagram. Si tu mets n'importe quoi, t'as pas de coloration qui est uniforme, tes photographies sont pas bien prises, fais-en pas, utilise-la pas la plateforme. Mais si t'es un brand qui est actuel, qui est moderne, puis que tu veux converser avec des abonnés, ben c'est la best plateforme, là. T'sais, je veux dire, le monde, il flippe ça en se levant, il regarde ça en se couchant, sur l'heure du midi. T'sais, ta marque est constamment genre propulsée à des paires de yeux
tout le temps. Ouais. Tu sais, un magazine, tu vas l'ouvrir une fois, deux fois, il va rester dormir sur la table de chevet. Tandis que l'Instagram, tu peux propulser du contenu à tous les jours. C'est si dynamique. C'est dynamique, puis tu sais, ça évolue. Fait que, tu sais, comme c'est la meilleure carte d'affaires que tu peux avoir, à mon avis, en ce moment. Tu sais, puis je dirais que probablement que des plateformes comme YouTube, si c'est bien fait, peuvent aussi servir, mais ouais. Pour une marque, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on voit beaucoup des blogueurs, là, puis des animateurs, tout ça, faire des YouTube, mais une marque, c'est plus difficile, tu sais. Fait que Instagram, c'est tellement facile d'inclure une marque. Tu peux voir les produits, tu peux voir l'ambiance, tu peux créer un mood, tu sais, fait. Ouais, mais moi, c'est vraiment c'est l'outil numéro un pour faire la promotion du mag, là, dans le fond. Pour arriver à faire ça, y a-tu des ressources, y a-tu de l'inspiration, y a-tu un endroit où tu dis, ça, moi, quand j'ai besoin d'idées, je suis à la recherche d'idées, je m'en vais à cet endroit-là, puis y a-tu quelque chose que tu peux partager avec l'éditeur? Ouais, mais je pense que l'important, c'est de pas propulser, de pas juste montrer ta marque, tu sais, dans ton Instagram, c'est de véhiculer un peu un genre de lifestyle, un mode de vie, tu sais. C'est ça que les jeunes, pas juste les jeunes, mais c'est ça que les gens veulent voir, tu sais. Si tu fais juste montrer ta marque, c'est comme si tu faisais juste montrer une publicité. Puis ça, les gens en ont un peu rien à foutre, tu sais. Sauf que si tu montres ton lifestyle derrière ton entreprise, puis parfois tu montres ton produit, les gens vont, tu sais, c'est un peu le principe du voyeurisme, là, puis de l'occupation double, puis peu importe, les Québécois, on aime beaucoup ça. Fait que les gens vont comme s'approprier un peu ta marque, vont voir ce que tu fais, ils vont voir le behind the scene, puis à un moment donné, oh, puis il y a une photo de ton produit qui vient de sortir, oh, là, tu viens de susciter l'intérêt, tu sais. Fait que, ouais, mais moi, je pense que Instagram nous a vraiment aidé à créer un lien un peu avec les potentiels acheteurs, tu sais, à créer un lien avec eux, que le projet, il est fait par quelqu'un, tu sais, c'est pas juste comme un document papier qui existe, il y a des créateurs derrière. Puis c'est ce qu'on a fait un peu avec l'Instagram, okay. Dans le fond. Mais tu sais, c'est un peu ironique, c'est ce que je viens de dire là, parce que quand on a parti d'Inet, on s'est toujours caché derrière le papier, puis on a full mis de l'avant les collaborateurs avec qui on travaille, tu sais, les photographes, les rédacteurs, parce qu'on en a qui travaillent pour nous, dans le fond. Puis on s'est toujours dit, nous, on n'est pas Ricardo trois fois par jour, ou t'sais, pas parce qu'on les aime pas, parce qu'on voulait pas être le bon deuxième derrière eux, tu sais. Donc on s'est dit, c'est le magazine lui-même qui va se propulser, puis c'est nos collaborateurs qui vont être mis de l'avant, puis qui vont être les vedettes du projet, tu sais. Ouais. Puis quand Instagram est arrivé, puis particulièrement InstaStory, moi puis ma conjointe, qui est la rédactrice en chef du magazine, on s'est mis à en faire vraiment naïvement. Puis les gens ont commencé à avoir un taux d'engagement envers nos publications qui était vraiment de plus en plus grand. Puis ils ont commencé à avoir un genre de sentiment d'appartenance envers nous. Puis tout à coup, puis là, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais tout à coup, on est devenus les vedettes du projet. C'est pas à l'échelle de Marie-Lou avec trois fois par jour, mais on est devenus les vedettes derrière le projet. Puis maintenant, c'est vraiment nous, selon leurs yeux, qui portent le projet. Ouais, c'est ça. Okay. Puis là, on est un peu à cette Y-là, en fait, de qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais. Fait que là, est-ce qu'on assume qu'on est des mini-vedettes, puis on devient, tu sais, on va pas être à l'avant-plan sur le front du magazine, mais tu sais, de plus en plus, on met des photos de nous dans le mag, okay. Pour que les gens puissent s'identifier. Tu sais, le reportage, c'est nous qui le fait, tu sais, c'est pas juste, tu sais, souvent, je vais être photographe, exemple, du reportage, mais tu sais, ma copine va prendre l'appareil, elle va me photographier, on va planifier le plan ensemble, puis je vais finir par être dans le reportage photo que j'ai photographié, tu sais. Puis avant ça, quand tu as besoin d'inspiration, tu fais quoi? Ouais, avant ça. Non, mais je veux dire, avant de mettre le story, t'es en panne d'inspiration, c'est rare probablement, mais quand ça arrive... Je sais pas, c'est tellement authentique un peu notre affaire, puis c'est tellement naïf que l'inspiration, elle naît comme... Tu sais, je regarde beaucoup de beaux comptes Instagram pour la photo, mais tu sais, c'est plus pour mes connaissances personnelles, là. Fait que je te dirais Par exemple, votre inspiration pour le prochain mag, qui va être sur le côté vaporeux, est-ce que ce mag-là est venu de où, cette inspiration-là, est venue... C'est une bonne question. C'est, on se fait des brainstorms un peu genre weird. Là. Des fois, on part dans des vapes avec un petit verre de whisky, puis on name drop plein de mots, tu sais, puis les mots deviennent des thèmes. Mais tu sais, il y a trois magazines que j'aime beaucoup qui sont Monocle, qui est le plus gros magazine au monde. C'est ici, je l'ai. C'est le plus gros, pas juste en argent généré, mais en épaisseur aussi. Ah, c'est quoi? C'est Tyler Brûlé qui a fait ça. C'est un Canadien.
Puis c'est le plus gros magazine au monde. Il y a des licences à Singapour. Ils ont ouvert des stores. Ils ont une radio, un poste de radio à eux tout seuls. C'est un truc de management, de business. Là. Okay. Business, design, art. Okay. Un peu. Puis c'est le plus gros mag au monde. C'est pas plus compliqué. Ça m'inspire vraiment beaucoup parce que la création de contenu, ils en font beaucoup. De la création de contenu intégré. C'est comme ici, là, je sais qu'on est à la radio. Puis on... Mais ça, c'est avec Swiss Air. Ceux qui ont fait un cahier. Okay. Puis c'est eux qui ont tout produit. C'est super bien fait. Puis à l'intérieur, c'est genre les affaires que tu peux acheter dans Swiss Air quand tu es sur la ligne aérienne, genre le chocolat suisse. Ils ont un magazine. En tout cas, tu vois, genre. Ah ouais, okay. Fait que tu sais, c'est vraiment du contenu. Fait que ça m'a beaucoup inspiré, mais je l'ai découvert après avoir commencé Dinette. Okay. Fait que c'est pas mon inspiration pour le projet, mais maintenant, je pense qu'eux ont un peu frappé ce même mur-là que nous, là, c'est-à-dire comment on va apporter des marques dans notre projet, fait qu'on va s'y approprier, puis tout ça, fait qu'on fait un peu la même chose, moi, puis Monop, ou je fais un peu la même chose que Monop. Ouais, okay. Puis sinon, un magazine que j'aime beaucoup, Kinfolk, qui est un des deuxièmes, un des gros mags aussi. Là. C'est des magazines qui valent des millions. Là. OK. Puis il y a un magazine qui est moins gros en ampleur, c'est Cereal, Céréal, en anglais, qui ressemble beaucoup à Dinette. Drôlement, là, mais c'est parce que je pense qu'on a peut-être les mêmes inspirations un peu scandinaves, très, très white, là, très bordure blanche, tout ça. C'est le magazine qui s'apparente le plus à Dinette. Ce magazine n'est pas disponible au Québec, là, fait que c'est très difficile de l'acheter. C'est un magazine qui vient de... qui vient du UK. OK. Puis tu peux l'acheter en ligne, mettons. Là, ou je pense qu'il y a peut-être le Drawn and Quarterly, une librairie à Montréal anglophone qui le vend, mais sinon c'est difficile de se le procurer. Mais c'est un magazine qui est nickel, qui est vraiment plus axé sur le voyage que nous, mais très inspirationnel. Des gros dossiers de 10 pages, des grosses photos pleines pages, des textes très storytelling, là, vraiment des histoires... dans le même mood. Ouais, vraiment dans le même mood. Ça ressemble beaucoup. C'est un magazine que je consulte aussi là, maintenant. Je le consulte surtout pour m'en détacher le plus possible. Comme on est deux projets qui se ressemblent. Ouais, okay. Mais c'est pas d'ici, là, mais il reste que j'essaie de me détacher quand même. OK. Oui. On est rendu question éclair. Ah, dans le fond. Ah, vas-y donc. c'est un blitz de questions. C'est deux questions rapides. Tu as quelques secondes pour répondre. Okay. Tu m'as parlé tantôt des publications dynamiques. Oui, messagerie dynamique. Donc, eux s'occupent de faire la distribution ici sur le territoire québécois. Oui, exactement. Disons qu'il y a une messagerie dynamique en Europe qui sonne à ta porte demain matin. Ouais. Tu as 30 secondes pour les pitcher, tu leur dirais quoi? Ah, c'est drôle ce que tu dis parce que j'étais en train de booker un... j'ai reçu une réponse aujourd'hui d'Air Transat parce que je m'en vais à Paris exactement pour ça. J'ai fait livrer des magazines par voilier à Paris. Pour la distribution. Fait que j'ai fait livrer 20 000 piastres de mag, mais j'ai aucun distributeur. Fait que je m'en vais à Paris en décembre pour aller trouver qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que quelqu'un m'approche, ça m'évite toute la job que je suis en train de me mettre sur les épaules. Fait que je dis oui à 100%. Le mag est facilement vendable en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en France. C'est des populations qui sont 10 fois plus grosses qu'au Québec. Un potentiel qui est énorme. Puis les Français, particulièrement, ils trouvent ça vraiment exotique. Là. Ils trouvent ça à la limite romantique, le Québec. Il y a beaucoup ça. Comme on en vend en ce moment des magazines là, dans des boutiques indépendantes, mais je ship ça par avion, ça coûte une beurrée. Je ship une boîte et vendue le week-end là, qui est déposée. Okay. Ça marche vraiment bien. Fait que, ouais, question est claire. Quelqu'un qui m'approche pour ça, écoute. On s'assoit puis on jase. Je suis prêt à laisser 50% de profit des ventes, là, c'est ce qu'on donne anyway ici. Fait que Donc, les gens qui nous écoutent, si jamais vous connaissez quelqu'un là-dedans, vous pourrez. Ouais, mais je vais être là. Faites suivre l'information. Je m'en vais à Paris exactement pour ça. On a 20 000 copies qui vont être à Paris en décembre, puis il faut que je les vende. Là. Fait que je vais me trouver des boutiques. Puis on n'a pas 20 000 copies, on a 20 000 $ de mag. Ouais. Deuxième question. Ouais. Va-t-on voir Dinette en anglais un jour? Ouais, c'est drôle que tu dis ça. J'ai fait traduire mes 5 textes préférés il y a 2 semaines. Puis ça rend bien. Tu sais, on a un langage particulier un peu dans Dinette. C'est très langage soutenu, avec des mots très riches, mais avec des tournures de phrases super familières. Conversationnel. Ouais, vraiment.
Puis il y a aussi un peu de franglais là-dedans. On se gêne pas pour mettre des mots en anglais. Fait que tu sais, c'est pour ça que l'aspect plus blog, mais tu sais, un langage un peu, à la limite, adolescent presque, tu sais, mais super soutenu, vraiment professionnel. Fait que je pensais que ça allait être difficile à traduire en anglais, puis finalement ça rend super bien. J'ai utilisé deux rédacteurs différents pour voir qu'est-ce que je vais faire, puis ça marche bien. Puis il faudrait juste encore là, si je fais un mag en anglais demain, ça me prend une distribution pan-canadienne, t'sais. Fait que je pense que tant que j'ai pas une distribution, faudrait que je me mette à faire des pitchs, puis faudrait que j'aie une maquette en anglais, je vais faire des pitchs à des distributeurs, il y en a un qui accepte, puis là on print. Mm-hmm. J'ai comme une couple de petites démarches à faire, mais Colin, que ça marcherait. Ça marcherait, là. J'achète toutes les mags qui existent là, dans le monde, là. Puis Dinette, je sais que c'est mon projet, là, mais c'est un bon mag, là. C'est un top, à mon avis, c'est un top 10 mag, genre World. Wow. Je sais que c'est gros ce que je viens de dire. Ben, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode, évidemment, le lien pour se rendre sur le site internet de Dinette pour que les gens puissent aller acheter des copies, puis prendre la peine de regarder ça comme il faut, là, parce que j'ai eu la chance de feuilleter quelques exemplaires. C'est vraiment, vraiment trippant de la façon que vous faites les choses. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qui s'en vient là, on fête le deuxième anniversaire? On a-tu un gros party de prévu? Pour le deuxième anniversaire, on va faire un pop-up shop. C'est une reprise de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'est un pop-up shop sous le thème des artisans, un peu ou alentour de l'univers de la bouffe. On fait ça à l'Arsenal, le musée d'art contemporain, donc dans Griffintown. On occupe donc tout l'espace du musée. Là, c'est genre des plafonds de 30 pieds d'eau. Puis on va placer des artisans qui ont un lien particulier avec Dinette. C'est ouvert au grand public. C'est le 5 décembre prochain, un mardi, de 7h à 9h. Donc, c'est un événement qui nous prend un mois à organiser pour 3 heures de pour 3 heures de visite. Mais bon, ça va être vraiment cool. Je trouve que ça l'aide à la notoriété du brand aussi. Fait que je trouve ça pertinent de faire ça. Puis ça nous tisse des liens avec les gens avec qui on parle tout au long de l'année. T'sais, tous les gens avec qui on interlocute sur Instagram, on les invite. Si des artisans, on les invite à présenter leurs produits. Puis, c'est ça. Puis sinon, le prochain magazine sort le 7 décembre. C'est le numéro Confetti qui fête le deuxième anniversaire. Fait que c'est quand même cool. Là, on va pouvoir apprendre que faire un grilled cheese au bacon, ça va nous mettre c'est ça. Fait Mathieu, merci énormément de ton temps. Plaisir. Merci beaucoup de nous avoir partagé ta passion autour de la Dinette. Puis j'espère qu'on va être capable de débloquer de la distribution. Ça serait cool. Ben, oui, ça serait cool, certain. Merci beaucoup. Ben, merci. Ciao. Un gros, gros merci à Mathieu Lachapelle pour sa générosité. Il a partagé avec nous ses stratégies, ses façons de faire. C'est très, très apprécié, Mathieu. Un gros, gros merci. Et évidemment, je vais mettre dans les notes de l'épisode les liens pour vous rendre sur le site de Dinette, de même que les liens vers les différents prix qui ont été remportés par le magazine jusqu'à maintenant. Et si jamais, je peux faire un appel à tous, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en Europe présentement et qui aimeraient faire partie de l'aventure Dinette, peut-être distribuer Dinette ou participer à sa distribution sur le continent européen ou le continent africain, n'hésitez pas à entrer en contact avec Mathieu lui-même. Je vais mettre dans les liens, je vais mettre également les profils de Mathieu pour que vous soyez en mesure de le rejoindre. S'il y a des gens que vous connaissez dans votre réseau qui peuvent lui venir en aide pour distribuer Dinette à l'extérieur du Québec, du Canada, je pense qu'il va être très, très, très à l'écoute de ce que vous allez avoir à lui dire par rapport à ça. Alors, n'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Voilà donc qui termine notre épisode 49. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 50. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!